Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis Bilou-Kidi Berthold, je suis artiste et designer. Donc, dans le cadre d'un projet culturel avec le lycée Rostand, nous avons réalisé un projet avec comme pour thème la vanité. On a essayé de travailler sur ce projet en mélangeant poème et image. Donc, nous avons travaillé avec une prof de français et d'autres enseignants. Le projet, c'était simplement de réussir à mettre une image autour du thème de la vanité et le mélanger avec le texte. Donc l'image devait avoir un rapport avec le texte présenté. Nous avons rencontré les élèves. Ensuite, nous avons travaillé sur mettre les mots et l'accent sur ce que c'est la vanité. Donc par rapport à tous les mots que nous avons choisis, suite à ça, nous les avons écrits sur le tableau, nous avons écrit la plupart des mots, et nous avons fait comme un petit carnet de bord avec les différents mots. Donc par rapport aux mots, chacun devait aussi avoir se retrouver sur les mots qu'il avait trouvés. Et par rapport à tous ces mots-là, nous avons essayé de représenter ça de manière artistique, mais chacun avec sa personnalité. Donc nous avons fait un travail en amont, au cas par cas, sur chaque mot. Et ensuite, j'avais laissé libre cours pour la réalisation artistique. Alors c'était soit choisir plusieurs médiums, donc soit le dessin, soit la vidéo, soit la photo. Donc la plupart des étudiants ont fait un mix des deux. Donc là, on a eu des résultats un peu avec Photoshop, nous avons eu des résultats en dessin, nous avons eu des résultats vidéo. Et petit à petit, en fait, il y a un cheminement qui se construisait par rapport à justement tout ce qui est artistique. Suite à cela, les étudiants ont réalisé eux-mêmes leurs projets. Donc les projets étaient franchement pour la plupart variés, originaux, comme la mixité qu'il y a dans ce lycée. J'ai beaucoup aimé faire ce projet avec les lycéens du lycée Rostand, ça s'est super bien passé. Les résultats étaient à la fois originaux, vraiment très surprenants et je vous laisse en juger par vous-même.